Ça se passe dans une petite ville sud-américaine, disons au Mexique, à la campagne, devant une église, et il y a deux mendiants. Il y en a un qui a, enfin, ils ont toutes les deux leur petite écuelle, là, et puis il y en a un avec une grande croix et un autre avec un grand Magen David. Puis les gens, ils passent, ils donnent plein dans la petite écuelle avec la croix et pas du tout dans celle avec le Magen David. Et puis il y a le curé qui voit ça. Et au bout d'un certain temps, il vient chez les deux mendiants et il dit, messieurs, pour moi, vous êtes des frères. Mais, vous savez, il faut pas en vouloir à mes paroissiens, mais on est dans un monde un peu éduqué et c'est normal. Si vous venez ici avec un Magen David, qu'est-ce que vous espérez? Quand vous donne de l'argent ici devant mon église? Alors il y a le mendiant avec le Magen David qui se tourne vers celui avec la croix et qui dit, moi, je regarde un peu qui c'est qui nous donne des leçons ici maintenant.